Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend du côté que dans le monde qui vous attendez et vous regardez la vidéo. Ça. Eh bien, moi, j'apprécie le fait que vous soyez un membre channel là qui gagne une subscription quand ça allait me sortir avec vos vidéos. Vous avez toujours gagné une copie et vous avez toujours qu'à regarder. So, si vous connaissez l'autre monde, qui a investi dans les affaires Emini FX avec Eddie Alexandre, ou bien doit toujours bayo lek ça pour yo capable suivre et ça cap passer progression de cas. Bon, je dis an, moi parler de deux bagages. Premièrement, moi gen an pile moun qui écrit et comme dans commentaire que vous fait, yo a demandé qui est moins pensé que yo ka jwenn en cob que tu investis et pas qui façon y a besoin ni combien de temps ça ka prend. Et bien jeudi an nous pral parler de et ça relé en Federal Trade Commission qui c'est une agence fédérale américaine qui en charge de gens d'investissement ça yo que Emini FX avec Eddie Alexandre t'est engagé là-dedans. Nous connaissons que, et nous connaissons pas très bien, pour nous suivre, nous avons toutes les informations côté carré, si nous suivons Chanel ça. Et je dis, on va parler de cas civil, et qui a commencé par FTC contre Emini FX et contre Eddie Alexandre. Et on a fini arrêté Eddie Alexandre le 12 mai, le 13 mai, et Federal Trade Commission, comme on se dit, qui sont agences fédérales, et t'es commencé une action civile. Et action civile, ça, il t'es commencé le juste pour être capable de gain pouvoir que la Cour de New York, la Cour fédérale de New York, bayo, pour yo chercher et côté empile, côté l'agent, pour yo saisir l'agent, ça, et puis pour yo kembe l'agent, ça, pour yo capable de remettre moun qui t'es investi avec Emini FX et Eddie Alexandre. So, c'est comme ça que, d'après et complète, ça a commencé, que cas civil, ça a commencé. Hein? Juge l'a été ça a été à l'ordre du jour, il et embauché un jeune homme qui a été David Castleman. Comme nous avons regardé dans l'écran là, nous avons le nom, monsieur. Moi j'ai adresse monsieur, moi j'ai téléphone monsieur, moi j'ai email monsieur. Eh bien, c'est monsieur que juge là t'a metté comme monde qui gagne pouvoir pour ramasser l'argent, chercher contre l'argent et puis faire et entrevue tout avec monde et que yo pensait qu'il a gagné peut-être information pour connaître côté l'argent et l'argent monde qui t'a investi yo. Et nous connaissons déjà que il y a 62 000 personnes qui ont investi dans Emini FX avec Eddie Alexandre. Et 62 000 personnes, d'après le gouvernement américain, ont investi en question de 59 à 60 millions de dollars. Bien que Eddie Alexandre dit dans plusieurs programmes qu'il présentait qu'il gagne 114 millions en main. Alors, et faut m'expliquer nous tout qui ça exactement et David Castleman pour le faire comme ici. Premier bagage que monsieur a fait, nous connaissons que le gouvernement dit qu'il saisit trois comptes bancaires qui étaient dans Bank of America et il dit que il joint près de 50 millions de dollars. Comme ça il pour aller joindre et en pour le joindre ici alors monsieur Castleman. C'est lui-même qui pourra manager l'agence Ayo. C'est lui-même qui pourra déterminer et combien de monde qui t'a investi et combien de corps que monde a joint. Mais il faut dire tout que ce n'est pas un bagage qui fait rapide. Parce que changer que et à côté de cas criminels, il y a un compte dit Alexis, et cas civil là sont l'autre cas qui est indépendant de cas et de cas criminels là. Mais pour moun commencer à joindre l'argent, pour commencer à remettre moun kobyo, il faudrait que le cas criminel a fini avant. Et même si le cas a fini, et Eddie Alexandre a vainqueur, c'est-à-dire qu'il a gagné, il a gagné par équipe, eh bien, Kobla a toujours à joindre
moun ki te investi yo. Parce que yon nan bagay ke FTC di nan complaint et qu'elle te déposé dans le fédéral là, il dit que Alexandre avec Emily FX pas gagné licence pour faire ça que yo t'a fait. Alors ça les mêmes pour parler sont violation de loi que lié. Pour qu'on y en là, moi connais grand pile nous pas poser question est-ce que n'a vienne tout comme nous il est que n'a vienne. Comment dit nous faut café et criminel là fini avant. Mais nous connais que receiver à lui-même. Ça travail que monsieur a fait, c'est un travail qu'il a fait avec tout bon cœur. Son travail que il a embauché pour le faire, faut le toucher tout lui-même. C'est-à-dire que comme avocat, monsieur son avocat, eh bien monsieur pral charger et alors les pral comme que ramasser a, il gagne un pourcentage que lui-même il pral prend pour lui capable de faire management l'argent. Développer liste moun qui t'est investi et faut me parler de ça tout et une chose qui est important les gars ça surtout yo toujours développer liste moun qui t'est investi parfois et si y a ton moun dans le cas de Eddie Alexandre si monsieur t'a une liste moun qui t'est voyé l'argent balé qui t'est investi et bien les gouvernements joignent liste ça les pas toujours continuer opérer avec elle et d'après ça que me connaît grand pile moun qui était investi, qui était voyé Kobio et au déposé Kobio plutôt dans compte bancaire et mini FX qui était dans Bank of America et plutôt dans compte personnel et Eddie Alexandre. Alors si moun sa a été déposé comme ça, yo a reçu qui a été déposé comme là et bien m'a demandé yo pour yo qu'il reçu yo pour yo pas perdu reçu yo parce que si compte là pas gain une copie ou liste il y a non monde qui t'investi yo et bien les cap contingent difficile pour établir que ou t'es investi comme avec Eddie Alexandre. L'autre bagaille encore qui gagne c'est que gen moun qui dit alors c'est ça que m'tendez gen moun qui dit que comme pa yo t'investi c'était dans Bitcoin et compte Bitcoin que Eddie Alexandre gagne c'est là que yo t'al déposer l'argent. Alors pour moun ki t'a déposé l'argent si que Eddie Alexandre pa gen liste non moun sa yo nan papier nan bagay ke gen comme moun ki t'a investi et bien moun sa yo pral obligé faire kou yo konnen pou yo établir combien kòb yo te déposé nan compte Bitcoin Eddie Alexandre ou bien Mini FX ki lè sa te fait et combien fois ça fait parce que naturellement David Castleman qui se receiver travail office Michigan pour le faire c'est établi liste tout nos monde qui t'est investi combien comme que monde ont été investi naturellement et nous connaissons que Eddie Alexandre plutôt et pas by gouvernement information sous côté que Bitcoin a 40 lié et monsieur est certain que et pas de coopération entre gouvernement américain, entre fédéral gouvernement, entre côté clair, avec Eddie Alexis dans le but pour déterminer si on a joué non tout 62 000 mounzaïo qui étaient investi comme ça pour qu'on remette l'argent. Et monsieur, certains gagnent pile monde et surtout monde qui te dépose Kobio dans Bitcoin qui pral gagner pile difficulté pour yo prouver que yo t'es investi avec Emini FX. Alors, et premier bagaille David vient pour le faire, Castleman receiver vient pour le faire, c'est joindre l'argent. Nous connaissons que en pile dans l'argent, 50 millions d'ailleurs, le détent met la patte sous ça, gouvernement détent fait d'appuyant, il prend l'argent ça. Et puis il prend contrôle et Mini FX. Nous connaissons que dit Alexandre avec tout le monde qui travaille avec lui, pas capable de faire rien avec Mini FX. Sans que yo pas et non violation et de ça que j'ai a dit que yo pas ka faire. Alors c'est premier bagage que Castleman gen pour faire. Deuxième bagage Castleman gen pour faire, c'est pour établir liste non moun qui était by Kobe depuis compagnie en fait commencé, c'est-à-dire compagnie a commencé en octobre et 2021 et yo pral garder qui gens que yo ka une liste non moun qui était investi.
moi-même, ça que m'a dit tout le monde qui était investi dans Emini FX, et moi, j'ai un nom, et monsieur Ala, David Castleman, moi, j'ai un numéro de téléphone que nous avons sur l'écran, sur côté moi. Moi, j'ai un tout adresse email. Li. Et moun qui était investi, yo, nous capable toujours aller du haut, monsieur, pour nous dire, monsieur, que nous sommes un investisseur Emini FX avec Eddie Alexandre, eh bien, nous t'aimons maintenant nous sous liste et moun qui était investi. Il ne doit pas demander nous pour nous établir, pour nous donner évidence, et combien comme investissement a été payé, qui l'investissement a été fait. Est-ce que tu recevras comme 5% chaque semaine? Non, il ne va pas me dire ça. Il y a un nom, il y a un adresse, il y a un téléphone, et puis pour y mettre sur liste. Mais ou même qui t'es investi, ou même personnellement, il faut commencer capable de chercher évidence ou mettre. Parce que les gens sont prêts pour distribuer, et combien de recevoir? Ça dépend si vous recevoir. Kounia a dit qu'il y a 50 millions. Puis on recevoir peut-être on le 10 ou le 15 millions, ça dépend. Yo pral distribuer comme ça avec moun yo et ça pral permettre même tout qui t'est investi pour pas perdre l'argent. Faut me dire tout que faut nous connaître moun qui t'est investi investisseur que ou pas pral joindre tout l'argent qu'on t'est investi. Et d'après expérience pam dans cas et dans genre de cas ça yo ou gen pas même 50% de cob que ou même ou t'es investi. Et puis faut qu'on ait tout cas ça est représenté peut-être on m'a dit que on challenge en ce sens que gen moun qui t'es investi en pile nan moun qui t'es investi ça yo et yo t'es commencé recevoir 5% que il dit te promet chaque semaine. 5% ça yo recevoir gouvernement te dit que c'est pas dans investissement sorti. C'est quoi l'autre monde qui prend et puis qui est payé l'autre monde. Alors monde ça eux-même yo pour obligé faire addition connait combien quoi tu recevoir pour combien semaine combien quoi tu investi. Par exemple mettons qu'on monde investi disons $5,000. OK? $5,000 mon a recevoir 5% qui c'est $500 par et qui c'est et $500 par semaine et mettons que mon a gagné 12 semaines que la recevoir comme ça c'est-à-dire 5 fois 12 bon 60 mon a recevoir $6,000 mon ça gétant recevoir plus que comme il investir dans son exemple c'est-à-dire que si tout autant que mon a recevoir comme il investi qui dépassé et investissement initial que le mettait ensuite par exemple mon a mettait $5,000 par exemple. Mon a gagné au bénéfice dit que mon a gagné et $10,000 t'ai investi. Mon a recevoir 5% et $500. So si mon ça gagné peut-être 3-4 mois, il a pas recevoir comme ça par chaque semaine et bien comme ça il doit dépasser montant qu'il t'ai investi. Il doit même plus même, mon doit gagner encore plus que ça t'ai investi, ça dit que mon doit recevoir 11, 12, 13 000 tandis que c'est $10,000 que tu vois qu'il t'investit. Moun sa lui-même, depuis le gouvernement a établi que moun sa te recevoir comme ça, et bien tout du plus qui te gagne, et bien gouvernement pral mande moun sa pour lui remettre l'argent ça, parce que c'est pas ton argent que moun sa te recevoir dans bonne façon. Alors, si ou même captant des messages ça, ou qu'on est combien vous te recevez, ou combien vous te investit, ou qu'on ait combien profit qu'on joigne. Si profit qu'on joigne dépasse comme qu'on te recevoir, eh bien, si c'est moi ou même, moi pas capable de mettre des comme, moi pas capable de mettre mes problèmes, moi pas capable de son crayon sur ça. Parce que si comme la dépassé investissement initial qu'on te fait, eh bien, le gouvernement doit demander pour bailler le reste qu'on te joigne qui était plus et soit de commencer. Alors et moi-même me fais vidéo ça c'est pour me capable pour ton petit éclaircissement pour communauté haïtienne là surtout non cas qui est important parce que pas ça c'est pas un petit capiti c'est un cas qui est très très important parce que n'a parlé de 62 000 monde
on a parlé de entre 59 millions à 114 millions. C'est pas 100 dollars, c'est pas 114 dollars et pas 6 mondo. C'est en pile haïtien qui était en ce sens investi. M'bable dit que aux victimes parce que et cap continuer et dit Alexandre pas coupable de rien. Son accusation que vous fait. Alors m'papa dit que son victime parce que mot victime là nous capable utiliser ça après qu'a fini et jugeant ou bien juriant déterminé c'est qu'on bagarre illégal qui était fait et puis yo voté pour yo joindre et dit Alexandre coupable et me pensais que après ça nous capable parler de victime mais pour qu'on y a on parler de monde qui investit l'argent qui gens que monde qui joindre cobio et qui ça que yo ka fait pour yo joindre l'agence. Et comme on te dit auparavant, nous ne pouvons pas jouer tout comme blanc. Ça va jamais fait. Et nous avons plusieurs cas, par exemple. Nous avons dit que tu as eu un gros cas qui t'est passé pour ça, ça a eu 7 ans de ça. Et ça, c'était plus gros. C'était des milliards de dollars qui ont investi. Et tu as eu un monde qui joue 20%, non, ça a été investi. Il y a un monde qui joue 30%, il y a un monde qui joue 40%. Ça dépend exactement combien de fois bon tatou et un haïtien ou l'espère peut me faire une vidéo sur ça côté monsieur te ramassé 10 à 25 millions de dollars dans mes moun et Nayak Spring Valley New York et bien ou t'arrêté monsieur en 2018 et bien monsieur al natural en 2021 et bien monsieur t'est perdu jury a te joindre monsieur coupable et juge l'a te bail monsieur 7 ans prison ou même gens de crime ça. Alors, n'a pas pas mutuel lui-même, m'koel te gen à peu près 125 moun qui t'ai investi avec elle. Et gouvernement t'ai préparé une liste de tout nom moun ça yo, combien kob exactement chaque moun ça investi. Yo t'ai ramassé, yo t'ai joindre approximativement peut-être 2 millions de dollars que vous avez joué, parce que vous avez dépensé comme là, vous avez investi un peu, perdu dans ça, vous avez investi. Eh bien, dans 2 millions de dollars, vous avez fait un genre pour vous avez joué et pour vous avez bail 2-3 investisseurs, un petit peu. Mais, pas jamais un monde qui vous a joué tout ça et vous avez investi. So, dans le cas, ça a tout, et pas espérer que si vous avez investi 10 000 dollars, vous avez joué 10 000 dollars. Pas espérer tout sous t'es investi 2000 ou pas joindre 2000. Ou cap joindre un petit bagaille, parfois c'est 10%, parfois c'est 20%, parfois c'est 30%. Ça dépend exactement combien le gouvernement joindre et puis qui moun qui te recevoir profit et combien profit que te recevoir et qui gens que gouvernement va balancer profit ça yo et vis-à-vis de cob que gagne et nombre de moun. Et me pense que et en pile moun c'est pas un problème et pour nous reler office monsieur parce que les monde travaille pour ça nous devons toujours reler pour enregistrer non c'est-à-dire que nous pas besoin de détails et de qui ça Alexandre dit nous qui Jean dit nous pas reler pour nous pas reler pour n'a détails nous juste reler pour nous dire que OK nom c'est Dioblo moi c'est un nom qui était investi mais nom mais adresse moi mais côté m'habiter mais email moi et bien mais comme tu investi c'est pas besoin de plus de détails et sur ça passé parce que ou pas dans détail ou juste t'es investi comme ou pas même besoin de dire qui est-ce qui t'invite ou qui est-ce qui va t'inviter bah ça va regarder ou juste besoin ou mettre nom sur l'espace et tout et ça son bagage me penser que tout haïtien qui investit et faut faire ça le plus tôt possible et parce que moins gain intention que gouvernement pas vraiment gain toute liste non monde qui t'est investi parce que gain monde qui t'est investi à travers l'autre monde gain monde qui t'est investi tout qui pas vle nécessairement monde connaît parce que comme dit nous tout que et une bagaille et cas ça c'est un cas public pas gain rien secret dans cas et faut me faire tout haïtien connaît parce que pas un secret à passer c'est mon bagaille privé son bagaille public les arrêter au monde et son cas public les gon cas qui ont action civile qui fait son cas public c'est-à-dire que moi-même comme moi c'est un avocat qui te travaille dans le système comprendre système là
moi li facile pour moi pour moi j'ai accès avec toutes les formations qu'il y a parce que information yo c'est pas un bagage qui est serré son bagage qui est public alors et faut me dire que dès que nous relé nous baïnon nous comme on dit investir il y a pas non non il y a pas adresse naturellement et monsieur certain dans 2-3 ans ça dépend de combien de temps et pour qu'a fini et bien après l'on a téléphone pour parler avec nous plus sous question de combien corps vous cap joindre. Alors, et fait ça, genre que moi dis non, hein, parce que je pense que c'est son bail qui est important, ou pas avler pour 30 ou 33, et puis après, pour venir des problèmes, ou pas capable d'entrer dans le CA, ou bien pour pas gagner non, pour pas venir là. Et pour me répondre à une question qu'un peu le monde a posé, qui l'est, il y a plein de corps. Et comme moi dis déjà, nous pas besoin de tout, et nous pas besoin de passer dans le tout. N'a besoin nous écraser la donne pas ka di nou combien même ka di nou que d'après expérience moi même moi konn wè moun yo konn joine entre 15% à 55% ça dépend de cas et cas ça a tout grave même ba là on a entre 15 à 50 ça dépend et mais faut me dire nous tout c'est pas bagaille qui pral passer au lendemain et cas criminel là comme dit faut le finir et nous connaît que cas pour au mois depuis le commencer il fait arrêter Eddie Alexandre et Eddie Alexandre et Gambel mais jusqu'à présent et dernière fois que nous checké et avec bureau prison aux États-Unis fédéral et jeudi en 29 mai et bien monsieur beaucoup de sorti peut-être c'est un long week-end, Memorial Weekend, so c'est ça qui pose problème. Ah, mais et moi expect que monsieur a sorti dans les jours à venir, mardi ou mercredi semaine par à venir. Moi aussi c'est certain que monsieur a sorti. Le monsieur sorti là et bon avocat pour le travail avec elle pour préparer défense. En ce sens que quand il doit prendre 1 an, il doit prendre 2 ans, il doit prendre 3 ans, on connaît 4 on pas 5 6 ans, même pas c'est et average, ça veut dire que cas ça, si je regarde par exemple cas où les Jean-Pierre qui a commencé en 2018, il a été monsieur en fin 2018, et bien monsieur Alain en 2021, 3 ans après l'arrêté, et bien il y a 1 an après que le jeune monsieur coupable, et bien juge à bas monsieur Saint-Pensley est en prison. Et si nous n'avons pas appliqué même bagarre avec cas et dit Alexandre, et bien, quand monsieur a fini dans 3 ans, il a fini dans 2 ans, il a fini dans 4 ans. Ça dépend de qui ça que monsieur lui-même voulait faire en tant que qui j'en peux aller gérer. Est-ce que son cas côté monsieur, ouais, il a gagné, s'il allait dans le procès verbal, ça y aurait le jury trial aux États-Unis? Est-ce que c'est un cas côté monsieur penser que il est capable peut-être faire un deal avec le gouvernement et ça tout a joué combien de temps ça prend parce que si monsieur fait un deal et bien car il va finir année ça ou bien l'autre année et si monsieur dit que il a le procès verbal et bien ça cap prend plus de temps parce que faut mon faire plus de recherche pour jeune plus évidence pour jeune série de bagages ça qu'a prend plus et c'est ça qui va l'affecter qu'il est que nous ca jeune cobla parce que ça a fini au cas civil là lui-même c'est pas un gros problème parce que et yo getan gen ça a été demandé juge déjà c'était après que recevoir recevoir l'argent et puis et pour juge te mette un order côté qui dit que Eddie Alexandre pas supposé entrer dans aucun business et qui vient pour louer avec investissement cryptocurrency, il va supposé parler à personne qui était investi dans Emini FX. Alors, et c'était tout un plaisir pour moi de faire cette vidéo ça et moi à mettre en bas vidéo à email adresse moi si il y a monde qui a une question, si il y a monde qui quelque bail pas clair, tu as besoin pas un problème, nous on doit toujours un email. Ou bien nous toujours nous pas toujours faire commentaire en bas vidéo hein. Et s'il vous plaît et pas oublier et youn di lot par les amis nous de channel là pour cap garder parce que son channel que nous dédié
Et non seulement pour Kaidi Alexandre, parce que tellement de monde qui était investi dans Mini FX, et puis tout, moi-même personnellement, je n'ai pas investi personnellement. Même moi, j'ai gagné une famille qui était investie. Alors, son cas est très bien, et je connais très bien les compagnies qui ont commencé, je connais un peu le monde qui était investi dans les compagnies. Et je t'ai toujours dit, depuis le commencement, que compagnie est mal fondée parce que il dit pas de licence, mais tout c'est le bagage qui est mal fait. Et je ne suis pas étonné que le bagage au côté là, parce que depuis que le bagage est mal commencé, il a toujours gagné un problème. Même si ce n'est pas un problème criminel, mais plus ou moins un problème de violation, par exemple, pas de licence. Alors, moi, je remercie nous pour ça en pile, pour nous garder cette vidéo. Ça, et sous beaucoup, et faire subscription, et vous mettez. Faites subscription et puis voyez le ça ben tout le monde partagez information yo parce que comme on dit nous information c'est l'argent information c'est pouvoir de pour gagner information et bien grand pile bagaille que vous avez fait grand pile bagaille qu'on a fait droite ou pas fait cocher alors continuez et subscribe sur le channel là et l'autre vidéo que je vais faire une vidéo sur ça les Ponzi scheme. Et ça, Ponzi scheme exactement qui bol sorti, qui origine et qui moun qui inventé thème Ponzi scheme non pour me capable plus ou moins ba moun yo ti information sur qui ça lié et puis là nous on l'autre Ponzi scheme pour nous ka connaître pour nous quand moun yo blanc on dit stay away from it. Alors, moi remercie nous. Moi salue nous. Bonne journée, bonne soirée, bon ça dépend de côté dans le monde. Moi salue nous. Merci, à la prochaine.